Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un reportage qui m'a fait revenir au Tchad en 1979. Nous sommes en février 1979, les combats font rage entre Hissène Habré, un Goran, venu des régions désertiques du nord du pays, et les troupes du président Maloum. Dans N'Djamena, la capitale tchadienne, quatre Français viennent d'être tués. Ils ont été pris dans les combats. Je contacte Paris Match, qui me dit être intéressé par cette histoire. Mais comment parvenir à N'Djamena? Il n'y a plus d'avion. Une seule solution, partir pour la capitale tchadienne en jeep à partir d'un pays voisin. Arriver à Yaoundé, la capitale camerounaise. Il me faut louer une jeep le plus rapidement possible. Mon chauffeur et moi, nous en avons pour 2 ou 3 jours de piste jusqu'au Chari, le fleuve qui marque la frontière entre le Cameroun et le Tchad. Arrivé sur le Chari, de l'autre côté du fleuve, la capitale tchadienne. De nombreux coups de feu sont perceptibles. Alors il me faut une pirogue. Finalement, un pêcheur accepte de me déposer de l'autre côté. Me voilà enfin arrivé à destination. La ville est complètement désertée. Des pick-up, armés, patrouillent. J'arrive très difficilement à savoir qui est qui. Enfin, l'armée tchadienne, reconnaissable à son uniforme, se montre. Je suis près de la cathédrale. Soudain, des rafales d'armes automatiques. Devant moi, un homme tombe. Je vois avec effroi quelque chose rouler à côté de lui, une grenade. Je me plaque au sol tout en continuant à faire des photos. Une chance, la grenade n'était pas découpillée. Plus tard, j'entends des jeeps de l'armée française. Le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine vient d'arriver pour évacuer les civils qui le veulent. Malheureusement, je n'arrive pas à temps pour le bouclage de Paris Match. Ces photos seront utilisées dans d'autres journaux à la une. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. Et puis, à bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas le pouce, comme d'hab. Allez, au revoir.